Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur World of Tank en type 68. Le tir 9, je ferme juste la tenture parce que ça vient à moitié sur l'écran de droite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on est parti ici dans une bataille avec du tir 10 en face. Il y a type 71. Et c'est tout pour les nouveaux chats. Là, toi, ce serait bien que tu lances, que tu sois présent quand tu lances une bataille en light. Ça peut être sympa. Bon, surtout en light, quoi, j'ai envie de dire. Il y a même des maps où ça peut être fatal là, si on est vite spoté. Il pourrait se faire one ball comme ça. Bon, peut-être pas aussi vite quand même. Là, ça va, il est quand même démarré finalement. Mais enfin, il y en a, ils sont FK genre une minute trente alors qu'ils viennent de lancer la bataille et que ça part quand même en 10 secondes maximum, bien souvent, surtout à ce tir là. Donc, des fois, je comprends pas trop. C'est pas grave. Solori a tué le TVP qui essaie de monter. Les 140 chez eux, du coup, sont montés. Clairement, on n'a pas gagné ce flanc là. Alors là, 140 sur le flanc. On va essayer de ne pas le prendre. Je suis spot quand même. Attention, il y a une artie aussi. Attention à ça. De toute façon, ici, sur mon flanc, du coup, on va essayer de... Ça va, il y a 277 qui est parti faire le ménage là. Mais bon, face à 240, ça va être chaud à mon avis. Pour ces miches là. Oh, L277, il prend cher. Essaye au moins de finir à 140. Ce serait pas mal. Le G sort là-haut. Très bien. Là-haut, est-ce qu'on a quelque chose à shooter? J'arrive pas à monter. Pourquoi j'arrive pas à monter? Alors, normalement, on a pas mal de dépression sur notre jouet. Pardon, mon ami. J'aimerais shooter là-bas. Hein, là-bas, peut-être. Ah, j'ai un petit morceau de tourelle là, de rien du tout. Vas-y, recule, recule. Ah, dommage, dommage. Ça partait pas mal. Malgré la bonne dispersion, ça part quand même à côté. Est-ce qu'il va réavancer le petit zozo? Attention au 240. On va rester dans notre bush. Ah, il y a quelqu'un qui réavance là. C'est quoi? 113 BO, ok, les 140 ils sont là-bas, ils farment nos floors. Très bien, très bien. Je ne sais pas quoi faire de mieux. Il y a un UDS juste devant nous qui est en train d'asmater je ne sais quoi. Le S-Conk, certainement, non. Ah, lui, bien, bien, bien joué là, bien joué ça. Belle tentative. Alors, est-ce qu'on oserait passer, monter au phare? Ça peut être sympa ça là tout de suite. C'est quoi, on va faire ça. On n'a pas l'air d'être spoté là. Si on va être spot là, attention, il y a 7 qui spot mes miches. Alors, il est là-bas, l'IS-7, le Zozo. Attention, T30 quand même. Ok, là-bas. Ah merde, ça perce pas. Il n'y a que l'IS-7 qui m'a shooté. Attention, 140 dans les fesses. Vas-y, tu sais quoi, moi je passe. Merde, je passe pas en fait. L'IS-7 il va me re-shooter. Non, c'est bon, je suis passé. Oui, c'est bon. Tout juste, tout juste. Alors, je suis là-haut au phare avec les lights. Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre. Alors qu'on a une bonne dépression, ça peut être très sympa d'être là-haut, là tout de suite. Voyons ce qu'on arrive à faire. J'ai vu l'occasion, j'ai sauté dessus. C'est 3 à 2, il reste pas mal de points de vie à se faire, à se farmer là. Peut-être les deux zozos là-bas. On va essayer ça, les amis. Peut-être les deux zozos là-bas dans le fond là. Si on arrive à les spotter, attention quand même. Voilà, j'ai pas la dépression par contre. Est-ce que je suis spot? Non, je suis pas spot, ça c'est la bonne nouvelle. Je sais pas où est le T30, ça fait un peu peur. Le riz apparemment est en ligne 2. Là, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Le 113 et l'autre, là, lui, il est là en bas. Il va y avoir moyen de le shooter. Normalement, attention à notre flanc quand même. Et il est là comme ça. Merde, pourquoi j'ai pas... Pourquoi? Ok, il m'a loupé. Très bien. Pas mal, pas mal. Alors là, et maintenant, il va être en PLS, lui, un petit peu. J'espère. Voilà, on le track. Parfait. Et très mal mis, là. Très mal mis. Pardon, ouais, pardon, le... L'autre zozo là, vas-y reviens, montre-moi tes fesses. Autre tourelle, ça passerait mon overmatch, il m'a quand même shooté. On va essayer d'éviter d'en reprendre une. Très bien, bien joué le T49 avec son gros obusier. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que c'est lui qui m'a dit je vous en dois une ou je sais pas quoi là? Et apparemment le T30 n'est pas au quoi de TD. Est-ce qu'on spot quelque chose là en bas? Ah oui, mais non, on le spot pas malheureusement. Ah ok, là-bas, il est spoté, il avance, il avance. Merde, ça passe pas. Attention, il y avait autre chose avec lui. Un petit G-Sor Light. C'est peut-être lui qui me spot. Attention à pas prendre une gratos. Est-ce qu'on aurait l'IS-7 là, gentiment? Attention au G-Sor quand même. Mais il est peut-être bien plus là. Okay, on n'a pas la dépression. Ah, il faut. Et là. Je sais pas si c'est passé. On verra en fait game. Je suis spot. Par contre, attention à mes miches. Où est le G-Sor? C'est ça que je me demande. L'IS-7, il est là-bas normalement. Je le vois pas, bizarrement. Je ne suis pas trop avancé avec mon bas de caisse en mousse.
Il est 7, est-ce qu'il est descendu? Là, il y a peut-être le bush qui me gêne. Je suis à nouveau spot. Est-ce que c'est le Gessor qui me spot? Je sais pas. Il y a encore l'UDS qui traîne, je sais pas où. Il est là-bas en bas de moi, là. Très bien, très bien. Ah, voilà, là-bas, l'IS-7. Ok, ça rentre, parfait. Il est où, lui, là, avec son sort 13? Je ne sais pas. Le Gessor, apparemment, c'est pas lui qui peut me spot. J'ai quand même une bonne tourelle, c'est ça l'avantage avec ce char. Le Gessor, je sais pas où il est, toujours. Bon, c'est un peu gênant, ça, le petit Gessor. L'Arty aussi, elle peut me shooter, peut-être, d'ici. On va prendre Arty et IS-7, là, ce serait pas drôle. Ok, donc à mon avis c'est bien pour la dépression, le petit système à la STRV, là, le petit carré vert là. Je pense que c'est pour la dépression. Parce que je me sens que la dépression elle joue là. Elle joue, elle fait des plus haut, plus bas. Ok, lui il se met. Ah, dommage, je l'avais. Ok, ça rentre, parfait, je me planque. Parfait, parfait, il prend encore des shoots. 2000 dégâts, c'est correct. Pas de trace du Gessor. Bizarrement, la grille, elle avance comme une sourde. Et il se remonte là-bas, lui. J'ai un peu plus de dépression quand je ralentis, j'ai la pression. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait le Ori et tout là? Ah, le Gessor, il est là-bas. Très bien. Le Kronwagen, il fonce dessus. Ça, c'est terminé, normalement. Pour l'IS-7, voilà, qui est fait. Ok, Ori là-haut. C'est quoi? On peut y aller, là. C'est 10 à 5. C'est clairement un peu le money time, là. Avant qu'on ait plus rien à manger, là, tout de suite. On descend par là. Normalement, ça passe. Oui, ça passe crème. Ils ont vu la map, tiens, ici? Ou bien, je sais pas. 7-5-2, attention quand même à lui. Ok, normalement, maintenant, il est one shot. Si je fais un bon alpha, du moins. 7-5-2, là-bas, j'ai sort dans le petit coin. Le Ori, peut-être qu'on aurait pu aller le farmer, là. Bon, lui, il est là-bas. À mon avis, il regarde vers le T49. Il regarde pas vers nous, là, tout de suite. Pardon, le Kronwagen, mais t'es mignon, mais. Ah merde, ça perce pas. Il a tué le Kronwagen. Il a tiré deux fois, c'est mon avantage là. Voilà, il a tiré trois fois, merveilleux. Alors, petite verrue peut-être. Ok, ça rentre, parfait. Dommage, le petit Alpha, vous savez quoi, je vais le rush. Il est gentiment tout seul, il a un gros temps de reload là. Je vais le rush clairement. Je vais pas le laisser filer. Ah bah, quelqu'un d'autre l'a tué. Peut-être le Gessor là-bas, gentiment. Où est-ce qu'il est, le petit Zozo? Il est là. Il essaye de. Ah, il dépasse. Tu dépasses là, mon ami. Ah bah merde, le T49, il a one balls. T30 là-bas, il n'y a plus que lui. Il a un Skoda sur l'oignon. Bon, j'aurais pu clairement shooter le petit T49 là. Le petit Gessor, mais bon. C'est pas grave. Ça fait comme une bonne game quand même pour un tier 9. C'est correct. Face à du 10. C'est quoi cette petite vidéo? Elle est assez sympa pour le coup. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. Est-ce que j'ai fait des blinds? Je crois pas. Ah si, j'ai fait un blind. C'était dans quoi? Ça devait être dans l'IS-7 alors. Ouais, clairement, ça devait être dans l'IS-7. Je pense, après ce que je vois là. C'est pas l'UDS, normalement, non. Ça devait être l'IS-7, correct. Sans plus, mais bon, bien classé quand même pour un char aussi en papier. Bon, la tourelle est très costaud avec la dépression. Par contre, c'est la caisse qui me fait un peu peine là, on va dire, sur ce char là tout de suite. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Pardon pour d'autres aventures avec ce jouet là, le T60 type 71, dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.